Bonsoir à tous, vous nous voyez. Oh putain, et en fait, c'est la caméra. Ah, je suis à moitié cuté. Bah, moi aussi, je suis à moitié cuté, on va pas se coller. Bref, bonsoir à tous, bienvenue sur Gaming Live. Salut à tous. En compagnie de ActRiser, l'homme qui a fait les tableaux pour le TOL. Oui, vous en souvenez. Oui, c'est moi. Est-ce qu'il paraît. Ouais, évite de gueuler, hein. Ah, bah écoute, c'est le micro, il marche bien. T'as vu l'article tout à l'heure sur le journal, hein. Toute la page, tout ça. Ah, bah ouais, mais j'ai risqué d'en manger sévèrement, moi, avec mes colères nocturnes que je me tape à foutre du métal à fond chez moi. Et les voisins, ils vont être contents, c'est clair. Pourquoi l'inviter, bordel? Au secours, aidez-moi! Quelle idée. Bref. C'est toi qui as proposé, hein. Ouais, j'ai disposé, c'est vrai que c'est hein. Ma faute. Donc, le Stropole a été fait. Putain, il est où? En gros, c'est. C'est pas sur ce papier, vous inquiétez pas. Ah putain, mais j'ai plus les noms des handicaps de merde. Ah si, on connaît le premier. Ah ouais, c'est ça. Et bien. Donc, des jeux en coop sur Mamé, sur Fight Cad, bref, des jeux en coop de merde. Et on va commencer avec le premier, donc on va changer le nom du GIMU. Propriété, donc c'est Two Crud Guys. Two Crud Duds. Quoi? Pas Guys. Ah, dude. Dude. Ok, et le handicap, c'est... Alors, on va vous expliquer le handicap, évidemment, mais vite, bon, bref. Alors, en fait, c'est un jeu de Data East qui date de 93, il me semble, qui a été adapté sur Mega Drive. Et en fait, on a la possibilité... Enfin, déjà, on incarne deux punks qui sont censés sauver la Terre d'une guerre post-apocalyptique, en fait. Et le gouvernement envoie deux punks qui ont la possibilité de se taper dessus, mais aussi de se saisir et de se jeter les uns contre les autres. Donc, l'idée, ça va être d'exterminer tout le monde en se jetant les uns les autres. Autres, oui. En ne faisant que des projections, des Laria et des German Souplex, ça devrait être relativement sympa. Ouais, mais tu fais des vidéos YouTube, toi? Non. Tu moi, stream je, non, moi je ne suis qu'un pur jouet de mon ami Jérôme qui me dit ce que je dois dire pour les minutes arcade. Et puis voilà, des fois il y a même des blagues que je comprends pas parce que ça, c'est tellement... ça tient sur l'info, enfin sur l'info, sur l'actualité. Et vu que je ne suis pas du tout l'actualité, des fois je ne sais pas ce que je joue. Je ne suis qu'un Chazal, pantin. Claire Chazal, Laurence Ferrari. J'ai pas la télé, ça fait 15 ans que j'ai plus la télé, moi. Oh, putain. Eh oui. Oui, jeune ami, évidemment. Si c'est pour voir la misère du monde, je m'en passe. Putain, c'est vrai qu'à quelques années de près, tu pourrais être mon père. Hein. Ouais, ouais, ouais. 35 ans, mon petit père. Ouais. Ah ouais, 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 21 ouais. Ans, c'est beau. Tu me donnes le respect. Allez, oh, un sacré maçon, un poumon en moins. Attendez, je cherchais mon poumon, mon bras, mon omoplate. Bref, donc ce soir, on commence après le Stropole sur Two Crud Duds. De connard, ouais, de t'expliquer, putain. Et en fait, ce qu'on va faire, ça... Ouais, je suis bien décalé. Ouais, je suis coupé décalé. T'es calé qu'attendre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à différents jeux en coop avec des handicaps qui ont été proposés. On en fera 3, voire 4. Même si on passe 40 minutes sur chacun, c'est 3. Et le dernier, on l'a bien mis de côté, hein, parce que j'ai pas envie de ouais, le faire. Ouais, ça va être poncif. Et donc, voilà, donc faut faire P. Voilà. Et on enlève la pause. Une explosion nucléaire d'une origine inconnue a touché New York City. La cité a été lancée dans le chaos. Oh Seigneur Dieu. Et la massive métropole a été tout mais détruite. Quoi. Bref, je sais pas comment on dit, all and destroyed. Et 20 ans après, le processus de restauration a à peine commencé avant qu'une organisation brutale et rivale... Pourquoi rivale? Foutre le dawa. Cette organisation... La guerre des gangs, écoute. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'elle est appelée la Big Valley, la Grande Vallée. Ces soldats armés avec les armes les plus débiles font le bordel. And now. Ça m'a fait penser à le début d'un morceau de Ministry. Ouais, c'est ça, je vois le truc. Et donc, les deux mecs, bref, ils ont invoqué deux mecs qui vont être bien payés. Et l'un de ces warriors sont crudes Buster. Voilà, donc grosso merdo, l'État, ils sont tellement dans la panique qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que d'envoyer des punks et des skinheads sauver le monde. Ah, putain, c'est super. Et donc, Crud Busters. Voilà, ce qui est le nom en américain ou en européen, je sais pas, c'est encore un de ces fameux ouais, jeux qui c'est a, quoi on n'entendra pas le son. Qui a deux noms de jeu. On n'aura pas le son, nous. Mais on est censuré. Ah, je crois qu'on est censuré. Hein. C'est terrible. Je suis en train de bourrer les crédits, là. Bien. Ah, ouais. Alors, le fameux How to Play. Ah non, mais attends. Alors, je vois que la config a été aux petits oignons. Une config japonaise. Une ça, config c'est aux petits oignons. Mais il est où mon start? Mon start, il est où? Ah putain, mais c'est le gros start. C'est user interface. User control, non, reviens. Ah, user control. Control, voilà. Oui, excusez-nous, on n'y connaît rien. One play... Ah oui, bah oui. One player start, on va mettre start. Voilà. De plus, je mon bout de fond. Comment ça, non? Recommence. Refais. Ah. On va faire ça.
Non! Oh, la technique, c'est défaillant! Oh mon dieu! Va falloir aller se plaindre en régie. Ah là, c'est bon! Ça ne va pas du tout. La joie du stream, bonsoir Duo, Gladius, Airsnake. Ah oui, mais faut se retaper la merde! Ouais, non. Ah. Ah, alors attendez. Voilà. Alors le mien, il me semble que le mien c'est le vert. Mais le mien ne bouge pas. Ok, et ok, allez vas-y. Allez, on recommence, player un contrôle. Ah bah oui. On est retombé dans les abysses de la config. Oh, putain, mais je suis obligé de recommencer mes configs à chaque fois quoi. On s'en fout, right up et left down. Bouton 1, bouton 2, bouton 3, faut pas inverser les manipulations. Bouton 4. On prend un petit peu d'avance au cas où on pense à un jeu acier d'autant. Ouais, mais ça sera pas là-dessus. J'ai besoin que de 3 boutons pour sauver. Donc, alors, l'idée c'est hop, voilà, je te chope, je te jette. Putain, mais le mec, je te chope, j'avance, je te jette. Voilà, donc l'idée ça va être on se chope, on se jette. Voilà. Mais je peux rien. Ah bah, alors, attends, on va quand même prendre le temps. Ah là là, attends, des ennemis, faut jeter tout le monde. Par contre, je peux pas aller à droite. Comment ça, tu peux pas aller à droite? Je peux aller qu'à gauche! Oh là 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 là. Ah putain de merde! Putain, on va y arriver! On va y arriver! Putain, mais on est complètement con en fait avec tout là! Comment ça, on? Ah voilà! Je me sens pas concerné moi par cet échec! Putain, on aurait pu faire ça comme ça! Moi ça marche, hein, direct! Voilà! Bien! Bien, bien, bien! Est-ce que je peux? Oui, tu voilà, peux. Allez, bien dégage. Sûr que tu puis. Ah, ça c'est pour moi, c'est là. Voilà, ça c'est les arnaques. Voilà, bon. Alors, je te rappelle quand même qu'il faut essayer d'en choper un maximum. Oui, mais moi je veux juste lancer mes lances. Attends, attends, j'ai. Voilà. Il y a toujours cette solution. Et la voiture. On chope le pote. Ouh là, attends. Voilà, la voiture, putain. Putain, comme il rame le jeu à deux players, c'est une horreur, quoi. Ah bon, il rame? Ah bah là, il est pas en mode uber nerveux, hein, franchement. Uber. Voilà, oh putain, Uber, l'autre. Le taxi, non, non. Ils n'ont pas Uber, demande Mirai non plus. Ah, les boss, ça va peut-être éteindre. Ah, les nains, les voilà, les nains bodybuildés. Viens ici, toi, viens faire câlin. Oh oui. Voilà. Ah putain, alors les gars lance-flammes, ça va juste être l'angoisse. Mais non. Si, mais... Si. Regarde, faut juste qu'on fasse un truc, un bon setup, regarde. Tu vas voir, ah, plus loin dans le jeu, c'est juste à vomir ce personnage. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais à deux, ça peut peut-être bien se passer, puisqu'il y a moyen de le faire go-buter. Hop. Ah putain, je voulais... Casse-toi, Dan. Je voulais faire la petite chope aérienne. Paf, le mur. Ouais, je suis seul, celui qui prend le plus de dégâts. Ça, c'est ah, de à toute moi. Façon, déjà, vu qu'on va passer notre vie à se lancer, on va prendre, on va tanker les dommages. On ne va pas avoir le choix. Mais si, ah, oula, le premier boss, je l'avais complètement oublié, lui avec son petit serpentin. J'espère que ça un animateur de foire. Alors voilà, au moins on l'a fait tomber. Pourquoi je suis mort? De son ouais, truc, voilà. Bah, attends, j'ai un choper. Paf. Putain, mais on peut pas le choper. Mais si, on peut le choper, mais arrête de. Mais non, le truc, c'est qu'on doit se choper mutuellement pour aller faire bobo aux gens. Ah, voilà, ah, mais un caillou, moi je prends. Paf. Voilà. Voilà, esquive. Les crédits ont défilé. Allez, ouais, voilà. Ah, tu vois, on peut le prendre. Qu'est-ce qu'il me dit, là, on peut pas le prendre. Là, tout à l'heure, j'arrivais pas le choper. Hein. À chaque fois, c'était toi que... C'était toi que je saisissais par derrière. Voilà. Un maximum de chop. Et moi, je vais sauter dessus pour le finir. Bien. Ah, là, normalement, on devrait avoir la pose du charisme. La pose charismatique. Oui. Bonus stage, si tout va bien, on va bourrer la machine à canette. Ah, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça le bonus stage. Donc l'idée, c'est de bourrer la machine à canette et de ramasser, voilà. Ah, mais non, putain, c'est simplement un intermezzo. Bah oui, un inter. Normalement, sur Mega Drive, ça fait office de bonus stage, ce truc. Oh, ton pick up 30 trucs. Ma bagnole. Ça, c'est la bagnole de merde. Ah, j'ai trouvé le déplacement du speedrun, regarde, on peut faire la roulade. Oui, je trouve le tag. Ah, allez. Ça, c'est un main bodybuildé ou pas? Je commence à me taper dessus. Ah bah lui il est bodybuildé mais il est pas particulièrement nain. Ah ça dépend. Contre hein. Nous, mais... 3D contre nous, ouais je sais pas.
Tu sais que j'en ai pensé, mais j'ai changé le titre du stream. Après, c'est peut-être le plus petit de sa famille. Je ne sais pas du tout. Si, j'ai changé, mais par contre, on va changer à chaque vidéo, ça va être... Vas-y, tiens, moi je prends le poteau. Moi je prends la voiture, moi, pas de soucis. Voilà. Je suis pas jaloux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah putain, par contre, voilà, on est obligé d'utiliser notre... Attends, moi j'ai technique. Tiens, bonjour monsieur. Au revoir. Alors, nous on a pas de son, mais si j'ai bonne mémoire, normalement dans ce niveau-là, il y a une musique plutôt sympathique. Enfin, plutôt sympathique, tout est relatif, c'est surtout une musique très industrielle. Et vu que j'aime le métal indus, moi ça me dérange pas. Oui, bah, ça. Ah putain, bon, on peut pas descendre. Et là, je prends. Ah, le chien! Mais comment ça, il y a des chiens dans le jeu? Eh oui, il faut taper sur les, putain, sur les animaux. La SPA va gueuler. Bah ouais, c'est pas une démarche que j'apprécie énormément. Est-ce qu'on peut la lancer là? Voilà. Éjecté à bobo de l'écran. À bobo. Déjà le boss? Non, ah non, ça c'est le passage, le mini-boss. Ouais, c'est mini-boss. Donc c'est cette espèce de coquillage. Pour ramasser son collègue. Ouais, 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 ouais. Part dans une mobilisation computer. Oh putain, ce jeu gueule tu m'as fait, salaud. Oh, je sais pas. Tu la sors d'où cette bagnole, je sais pas. Tu sais toi, parce que moi je sais pas. Je crois que c'est dans les... Ah, c'est là en fait. Mais je sors des items, je sais pas d'où ils sortent. En fait, l'idée c'est qu'il faudrait qu'on se lance en ping-pong. Non, mais c'est bon. Les boss, ça serait cool. Ah, DNK Sigur, les frères de Windjammer, prends. Ah, oui, Windjammer. Reste en bas, on te dit. Attends, parce que là, moi je me tape tous les abobos pendant que toi t'es en train de pavaner en haut à rien foutre, voilà. Mais. Non, non, mais en attendant. Oh putain, chopé en l'air, oui, j'étais beau. Ah, allez, hop. Ah, au pire, putain, on a bien y pensé. On a utilisé chacun un crédit maintenant. Ouais, alors normalement, je crois qu'il y a même moyen de choper l'hélico, hein, si. Voilà. Je suis peut-être un peu gourmand. Ouais, alors on va faire notre méthode, on va choper les sbires qui nous envoient. Mais je crois que c'est ça. Hop. Voilà, on met des os, là on peut récupérer ça. Voilà. Ah, mais c'est clair. Moi je demande, on y a marquant, je ne connais pas le jeu pour au final la main. Il y a moyen de le choper aussi, ça, non? On peut tout grab dans le jeu de merde là. Même en essayant de taper, on sait pas où il faut taper, c'est pathétique. C'est pathétique. Mais on peut pas monter dessus. C'est quoi ça? Là, ça ne va plus, là. Bon, allez, hop, je vais te choper. On va lancer, allez, quelque part. On verra bien. On verra bien où ça nous mène. Ok. Oh putain, d'accord. Il est... Non, mais n'importe quoi. Wagon point, wagon point, wagon point. Oh là 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 là, c'était intuitif au possible. Merci Dataïste. Ce c'est des gros. En plus c'est un jeu Dataïste, là les mecs de Windjammer ils sont bien venus. Ah là là, bah c'est clair. Les shops, c'est clair. C'est peut-être pas le meilleur de Dataïste, je dois bien l'avouer, mais c'est au moins un des plus rigolos. De quoi, Windjammer? Non, oh non, oh là, attends, Windjammer, s'ils ont fait qu'un seul shadow, c'est celui-là. Attends, mais ça marche pas là. Non, le bon vieux chou. Bon, pas. Y'a moi. Allez, paf. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça toi. Tiger Shot. Best t-shirt Neo Geo qui ça? Ben ouais. Ah bah oui! T'as même pas percuté que j'avais un sweat Neo Geo toi. Bah si tu veux, j'étais plus occupé à voir quel verre j'allais prendre que savoir le t-shirt Neo Geo. Ah voilà, le stress du Neo. Et oui, voilà, ça sort les t-shirts Neo Geo. Mais voilà, il faut ouais. RT. Et oui, oui. Ah putain, mais là j'utilise encore un continu. Viens ici, toi. Viens ici, viens faire câlin Zangief. C'est bien. Ah, cette pose du swag. J'ai entendu Windjammer deux fois, je me suis réveillé. Si c'est pas digne de Chouaniki, ça, hein. Merde, Chouaniki. Ah, alors j'ai eu la triste surprise de taper Chouaniki, Adam et Samson sur Google. Ah oui. Google Images tout à l'heure. Et en faisant défiler, j'ai trouvé une photo de moi. J'ai trouvé même plusieurs photos de moi dans Chouaniki, je comprends pas. Là, franchement. Il y a quelque chose qu'il faudra m'expliquer. Comme là, ce que je viens de faire. Hein. Tiens, ah non, mais pas le chien. Hey, le toutou. Death Race, Street of Rage, je faisais mieux sur arcade. Non, faut pas dire. Mais qu'est-ce qu'il joue? Alors, Street of Rage, il est pas sorti en arcade à part sur les Tech Play, donc c'était des équivalents de. Non, sur Mega Drive, il parlait. Ah, sur Mega Drive, autant pour moi. Oui, bah, excusez-nous de pas. Après, ouais, non, c'est clair que Street of Rage. Putain, qu'est-ce qu'il a? On a pris un jeu de merde, hein, ce soir. Et puis surtout la musique de Street of Rage. Oh, ah, oui, mais on est obligé d'être. Voilà, j'ai fait l'escalier. Parce que je vais aller régler les deux, là. Voilà, on s'en fout, on avance, là. Tac, dégage. Pof.
accueille. Je te tiens, tu me tiens. Ben, la paire de balls. Ah bah voilà, c'est bon, Castlevania. Ah bah voilà, Castlevania style. Tout va bien. Allez, vas-y, carrie là, carrie. C'est parce que je carrie. Hop, tout va bien ici. Oh, le petit coup, le petit quai. Oh, mais il n'y a pas moyen de le choper. Attends, les grenades, fais gaffe. Hop, boum, boum. Ah. Voilà, au moins ça sert là, c'est bien ça, les chiens. Oh non, putain. Pas taper le clébard, pas taper le clébard. Il est en mode véné. Ah, faites pas du mal aux animaux. Sauf à ceux qui sont des fous. Ah voilà, je peux le faire. Grâce à l'échelle ou bien. Ah bah non, simplement en mode. Non mais descends toi. Shinobi ou Shadow Dancer. Oh l'ennemi, il est pour moi. Shadow... What? C'est qui? C'est Jackie Chan? Non, c'est Bionic Commando sur son bras en fait. Ah ouais, ce que je disais. Oh, il est en... c'est Cobra. Ah bah voilà, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Nanatada, Cobra. Alors, viens ici, viens ici, viens ici. Pourquoi on est en train de foutre des moustachus à cuire? Parce qu'on est dans une époque. POF! Merde, putain, pourquoi il l'a pas pris dans la gueule? Je sais pas ce qu'il a, Cobra. Pourquoi il t'a pas pris dans la gueule en fait? Voilà, allez hop, reste ici, je te l'envoie. Il m'énerve la Cobra, va se calmer. Tiens, on va le balancer, voilà. C'était assez sympa comme glitch qui a eu là. Je l'ai jeté au moment où tu m'as chopé, en fin de compte, on a l'impression qu'il a été éjecté sans raison. Parce que j'ai pas eu le temps de faire mon animation. Allez, vous avez quoi, Crocodile? Comme il mouline à deux players, c'est juste horrible. Ah putain, une grenade. Grenade, granate. Ah fait granate. Bref, pourquoi on est en train de mouliner des mecs comme ça au cul? C'est juste parce que t'as des moustaches en cuir. Mais viens, toi, viens. Oh, tu m'énerves, tu me rends. C'est simplement parce que Goulter a été un dans les années 80 à la libération sexuelle. Putain. Il ne va plus me regarder de la même façon maintenant. Ah le même mec, je sais pas. Allez à Bobo, viens ici. T'es pas obligé de tuer, hein. Je gueule pas, je m'exprime, c'est tout. On a bien fait de baisser le micro, sinon vous alliez tous mourir. Ah voilà, là on va choper ça. Pouf. Ah putain, j'ai un main sur le dos. Ah excuse-moi, ah. C'est ça, j'adore pourquoi il descend assez bas. Ah voilà, ça a marché. On peut leur descendre, ou alors on va être obligé de l'attaquer au point. Comme vous le disiez tout à l'heure. Là. Oh, les petits sauts du charisme qu'ils font. Donc en gros, on est New York en mode bordel. Et en fait, on doit. Ouais. Ah, il y a les grenades. Ah, grenade. Ah, voilà. Et en cachez-vous gros, il faut... dans les boomgers. Et en gros, les. Pourquoi on a le Minotaur insecte Un Pokémon. Il est pas. Bonsoir à un tous. Scarabut. Tiens, un scarateur. Tu sais qu'on est en train de prendre cher avec... Ah, toi t'attaques. Ah bah, c'est difficile des fois, il faut un petit peu... se protéger. Ah oh ouais, c'est bon, on va le bleu. J'ai déjà tendance à faire flèche arrière pour me défendre, alors que non, il n'y a pas de défense. Et voilà, je suis encore mort. Ah voilà, alors putain, j'attends que tu te relèves. Hop, voilà, je l'envoie un petit peu. Moi, je fais saut gros pied, hein, saucer les gros pieds. Tiens, meurs. On peut rien te faire comme des... Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il est passé en Game Gear? Je sais pas. Saute. Allez, putain. Qu'est-ce que tu veux sauter là? Une Delta Rubis. Oh. Alors, hop. On respawn. On respawn, ah, moi, c'est bon, je suis... Voilà, moi, je suis comme ça. Oh, bah, je suis mort. Tiens, dégage. Vas-y, on s'en fout, moi. Ah, la foule. Oh ouais, non, mais il y a des boss qui sont assez chiants comme ça. Bon. Ah ouais, lui, en deux coups, il nous défonce, c'est bien. Ça voilà, fait on plaisir. Fait la technique. Non, mais faut pas y aller trop. Tu peux le... Putain, mais la projection, franchement, ça enlève masse de vie. Hein. Allez, bon, ma petite pieuse. Il est quand même mort. Boss qui mongolise, exactement. Ça va bien comme ça. Yeah, le bro time. Oh là là, bro time. So gay, mais so gay quoi. On a quand même pris le handicap le plus facile, je crois.
Faire que des chops, ouais, c'est clair, ouais, c'est pas le truc le plus violent au jeu. Mais ouais. Tout est groovy. Et oui, donc on combat des moustachus dans un monde apocalyptique où il y a une super bombe nucléaire qui est passée. On est passé dans le monde de Ken le survivant. J'ai beaucoup de fois passé, c'est pour ça que ça handicape nos streams. Coop avec Toki et Ken. Devinez qui est Ken. Ça doit être moi, j'ai le t-shirt en dessous, le soutien-vue. Ah non, non, t'as. Oh, c'est moi qui arrive. Mais non, c'est toi. Non. T'es le barbu. Je suis barbu. Ils sont tous mal rasés dans Ken de toute façon. Non, Ken il est bien rasé. Ouais, mais on se demande comment d'ailleurs. Ça, tu sais. C'est un manga, faut pas lui demander plus de logique. Wow. Oui, c'est Ken le survivant dans un monde où les roues ont gagné la puissance. C'est clair. Les roues ont du charisme. Et ont été gratifiés d'une âme. Putain, la gueule de l'âme. Ah, mais il y a les lance-flammes, il y a des coups de lance-flammes. Ah, ouais, mais. Paf, Tu me respectes. Ah, si tu me l'envoies, on peut faire un petit ping-pong. Ça non. Prend les fesses. Moi, je vais faire ça. Ah, putain, il a une bagnole. Je veux la caisse, moi. Y a pas moyen de récupérer le clébard. C'est pas. Y a une voiture, c'est tellement gratuit. Oh oui. Une voiture à bout de bras, quand même. Et donc, récupérer. Et là, ouais, qui... Donc, pour raconter l'histoire, c'est ça. Ah oui. Une bombe nucléaire, New York, 20 ans plus tard. Ils ont futur de démocratie, c'est un peu. Et 20 ans plus tard, c'est la péto, il y a des mecs qui font les dingues. Et en gros, la bande de les mecs de Ken le survivant. Voilà. Et ils se font. Et donc l'État. La bande de Z, au moins. C'est qui joue Raoul, Julia et Chi. Je ferai pas Julia, ça c'est clair. Ah, tu. Julia. Ah, on peut. Hop. Un petit sapin Julia. Je peux pas me permettre, moi je connais pas ça. Je peux pas me permettre des telles familiarités avec lui. Voyons. AMV, ça serait. Ah, Raoul. Chine, mais qui est Chine? Putain, mais y'a trop de choses. Tu sais qu'à force, niveau crédit, je crois qu'on a déjà coûté 5 balles. Hein. Oui, facile, ouais. Oh, facile. Mais c'est. Putain, c'est... mais comme ça ralentit, ça vomit. Hein. Ça vomit. Ouais. Hop, le petit poteau. Pof! Oh, chope en l'air. Et là, là, il va réapparaître. Mange ça, voilà, allez, hop, dégage. Idiocracraï. Ah oui, j'avais pas vu qu'il avait écrit Idiocracraï. Ah, c'est complètement idiocratie, ouais. Ouais, tape. Putain, qu'est-ce qu'on va taper là? C'est ça, quoi. Bon, j'espère que le stream est bien au niveau de la qualité. Mais je vais mourir. Arroser voilà. Les champs avec du Gatorade parce que c'est infectif. Ouais, fantastique ce film, fantastique. Le haut, tu prends le putain, bas. Il fallait t'accrocher, hein, mais comme il rame dans tous les. Ah, c'était notre jeu de Noël. Il y avait un petit père oh, Noël. C'est qui lui? Ah, bah c'est Sauzer. C'est Vandame. C'est Sauzer, on en avait pas parlé depuis tout à l'heure, il est là. Tu nous fais plaisir là. Ah, Wenjix, il connaît. Wenjix, il connaît les bons jeux. C'est un mec qui connaît tout. Attends. Putain, Julien, je peux filer contre la rambarde. Julien, bowling infini que je viens de faire pourquoi avec un seul baril. Moi. Pourquoi j'ai le tank là? Pourquoi j'ai le. C'est un petit tank pour Nain. Ah, le tank pour Nain, je vais le choper. Je crois qu'il y a moyen de le ramasser aussi celui-là. Le tank, il y a moyen de... Ah ouais, non, il faut simplement... Oh, il faut bourrer, ouais, voilà. Je suis où? Ah putain, encore un continu. Bah, il y a pas que ça qui va être sorti, hein. De toute façon, on va sortir plusieurs jeux. Allez, votre speedrun, là, on en a marre. Pourquoi il ramène la moitié? Pourquoi il ramène un peu de mandat, mais c'est pas... Ah mais là le côté de... Attends, c'est quoi nous aussi on s'en fait des coups. Ah mais d'accord, mais c'est le boss, simplement. Okay. Ah c'est le boss, c'est bien. Ouais, ouais, y'a une barre. Y'a une barre de vie en dessous. Ouais, vas-y, balance-moi, j'ai rien. Bah attends, mais alors on va continuer. Moi je ramasse l'infini à terre. Putain, mais il est tellement rapide, j'ai même pas le temps de lui choper un c'est pied pour jeter sur ses potes, quoi. Bonsoir, Mikablo. Je sais pas ce que. Ouais, pourquoi il va. Il un werewolf. Il va se calmer là. Pof. Pas le pasteur. C'est beau, gros. Ah bah c'est. Je me suis foutu la musique de Killer Instinct dans la tête. Viens avec moi, boum. Boum. Vas-y, lancez deux. Pourquoi il se ramasse pas ma soeur? C'est tellement l'ennui, ces ralentissements. C'est le genre de jeu qu'il faudrait jouer avec 20% de rapidité en plus. Booster légèrement l'émulation. Y'a moi! C'était Sundart qui avait fait ça pour Nintendo World Cup. Il avait joué en vitesse x
1x2 je crois, et le jeu devenait tout de suite nettement plus intéressant et nerveux. Les sont inversés. Ah, c'était le problème de Souther, effectivement. Nice fight. Stay cool. Au lieu de choper la balls gauche, il fallait prendre la balls droite. Ah, c'est terrible. Une bonne vieille pub pour du Coca-Cola Leader Price. Bonsoir. On va pas être loin de la fin là. Une bulle se blanquait, un petit air de Jésus. C'est blanc. C'est à moi. Tu vas mourir. Oh bah alors hop, lui toi, direct. Merci. Hop, paf. Oh putain, Souther le retour. Vas-y, là il va se prendre des coups de bâton. S'il faut donner des coups de bâton, je serai là. S'il faut donner des coups de bâton, je serai là. Ah mais c'était cool. C'est pas du tout, mais ça me parle en tout cas. Ouais, mais ça c'est Karaté qui l'avait ressorti en parlant de je sais pas qui. Après on joue à quoi? À Mystère et Boule de Gomme, EX. Super Turbo Championship Edition. Tiens! Foutez-moi la paix. Moi je saute dessus, saute sur le gros, on a dit. On saute pas sur les gros, c'est connu. Pof! Bah oui, bah je vois. Phoenix, c'est ça. Iki! Ah, Iki, mon frère. Ah ok, donc quand il a le bâton, il continue à donner des coups de latte. C'est con, on se barre. Hein. Tu es à moi! Tu le savais pas, mais c'était moi qui avait tué ton papa! Ah, y'a pas moyen de les choper en l'air, c'est dommage. Gros point! Putain, c'est mort! Pas gros point! Ah, nous, ça va, hein, ça va très bien, merci. Tiens! En mode apéro. En mode apéro. Karaté sur relais de temps. Les coques, c'est un cola one de chez Netto. Le mode apéro un peu censuré, vous dire rien, puisque nous sommes obligés de respecter une certaine charte de. Quand tu descends bah, ils sont. Une certaine charte sur cette télévision. Tu ne savais pas que c'était moi qui allais régler ton compte. Putain, mais Cobra Yex. C'est pas les apéros du dimanche après-midi sur ma chaîne où ça boit, ça fume, ça fait la wack. Non, mais on se prend. Tu sais, en fait, les Cobra. C'est un peu la voile qui remue dans le film. Ah putain, mais ça, là j'ai l'impression qu'on se tape un boss rush parce qu'en fin de compte. Oh, petit Terminator. Ok. Terminator. Ouah, pourquoi il envoie sa tête, lui là, il va se calmer. Ah, mais s'il faut le régler avec sa tête, là on est dans la merde. Mais Terminator, là, voilà, il fait un coup. Il va ouais, défoncer le chartier là. Moi j'ai dit, on était en mode arnaque. Hein. Voilà. Non, tu restes ici, toi. Pardon. Je reste ici, on t'a dit. Bouge pas. Bouge pas, on t'a dit. Tu es à moi. Tiens. Ramasse-le, c'est super efficace. Oh putain, j'ai pris sa tronche dans la tronche. Pourquoi il a fait boum? Un petit contact facial. Ah, boum. Ouais. Boum. On pourrait taper sur les autres. C'est un crossover entre Ken le Chariot et quoi d'autre? Ken. Un choix Nikki. Ouais, aussi, Cobra. Il y a beaucoup de clins d'œil, il y a plein de licences, clairement. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Hein, on peut pas dire qu'ils inventaient grand chose de neuf avec celui-là. Mais il reste quand même un jeu assez rigolo. Fais gaffe, il est chiant. Ah putain, il faut roar. On a assez de caractère. Oh putain. Ah, je pense que le bourrage de stick, il a dû être immonde dans vos oreilles là. Ah bah c'est... j'ai bien fait de laisser, hein. Sinon j'avais laissé en surpoids. Tiens, bombe. Roulade. Oh ah. les grenades, je les ramasse, hein. Toujours les ramasse. Non, je peux pas. Putain, venez. Ouais. La mort par Chichi. On n'a pas le choix. Faut meuler le mur, voilà, si on ne ramasse pas. De... ah, ça dit de pas gueuler, hein. Ouais. Je me contiens. Oui. Bonjour, c'est la maréchaussée. T'as un 200... Vous êtes 2500 pour ce stream, merci, alors qu'on a Alien qui arrive. Sérieusement? Attends, mais il m'a embarqué où, là? Ah ouais, d'accord, one shot. Il est comme ça, lui. Ok. Mais il est pas encore arrivé, là, regarde. Tu as bien remarqué qu'il est pas encore arrivé sur le terrain. Attends, bouge pas. Non. Ah bah, le secours, il était mort. Ah voilà, c'est le but de à toi, mourir. En fait, je crois qu'il faut le laisser descendre. Je sais pas du tout, là, je ne me rappelle plus.
Ah, ah bah voilà. Le génie. Oh, le moukoubinisme absolu qu'il vient de nous faire, quoi. Ah, je sais pas. Ah si on peut, bah si on peut soulever. J'aurais pas parié pour le coup. Il va se calmer lui, je crois. Et si c'est cru dans la route, c'est lancé de trois fesses. Quand tu défonces la gueule. C'est. Ah c'est... mais je suis en train de faire mon game. En fait. C'est de l'instant kill ce qu'il nous fait. Bien. Comment les gens ils pouvaient finir ce jeu à l'époque? Ah bah en mettant plein de thunes. En mettant vraiment plein de thunes. Tu remarques, on fait pas de dégâts. Hein. Non, 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 on fait pas grand chose. Et là, je pense que la technique de bourrer les projections avec lui, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent. Oh bah là, la profusion, tu peux le tuer là. Putain, mais ça lui fait aucun mal. Ah bah non, c'est bon. Oh là. C'est le monde à du le doute m'envahissait. Le doute m'habite. Au moins. Nice fight. Tu m'as dit combien, 6 ou 7? Ouais, 6-7 stages, il me semble. Je pense que le prochain, on est bon. On fait le stage 6, on voit si c'est pas fini, on fait une pause, on revient. De toute façon, vous allez faire de la pause, du pognon. Faut bien qu'il vive, le petit qui finance ses études. Hein? Bonsoir, bienvenue sur Valve TV. Ouais, il a pas l'argent de la drogue, lui, encore. Hein. Bienvenue sur Gaming Belgique TV. Sur Prolo Gaming. Pourquoi je peux pas te choper, toi? Oh! Putain, et oh, Chun-Li travesti, c'est quoi ce délire là? Tu vas te calmer là? Ah, tu l'as revu, bah oui. Gaming là. Ouais. Hop. Allez, moi je prends le. Non, mais moi je suis à l'affût de tous les ramassages possibles, hein. Laisse couler. Hein. Non, non, viens ici, toi. Viens ici. Oh bah attends, le Abobo, avec son grand sourire là, avec ses dents blanches. Allez, ultra bright. Allez, putain, c'est vrai. Voilà. Allez, avance toi. Allez, avance. Je l'envoie, vas-y, passe. Pof. Ah non, pardon. Petite roulade, l'esquive. Oh non, les plats. Oh, allez, plates, retour des Sarzer. Ah, tu sais qu'on peut les choper, donc tu peux pas. En fait, c'est la hitbox des Sarzer. I'll be back. Bon, j'espère que ça vous va le stream, vous entendez pas trop les sticks bourrés. Le décor qui me fait penser au décor de Wong Fu dans Fatal Fury 3. Road to the final victory. Ah, Fatal Fury 3 qui a été fait pendant le marathon. Je ne sais plus si le marathon contre le Mania, sur le Mania. Fatal Fury 3 il a été fait. Ouais, il a été fait, c'était un des jeux sur Mega Drive. Hein. Il n'est pas sorti sur Mega Drive, Fatal Fury 3. Ils ont fait Fatal Fury 2, mais pas Fatal Fury 3. Ah si, je peux dire, bah pourtant ils avaient un Fatal Fury 3. Non, non, Fatal Fury 3 c'est pas possible, pas sorti sur Mega Drive. Bah, faudra que tu dises, tu demanderas ça. Ah, toi, casse-nous. Ah, mais c'est une certitude. Mais casse-nous, j'ai envie de voir les têtes, là, les duels. De... Oh non. Sur Mega Drive, il y a Fatal Fury 1 et Fatal Fury 2. Il y a même pas. Fatal Fury spécial est sur Mega CD. Ah, c'est vrai qu'il y avait des trucs de haut en background. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Lucie. J'ai absolument pas fait gaffe au Twin Tower. Ouais, bah, tu sais quoi, bon, lui, il a fait gaffe. Il faut tout casser à l'ancienne. Il faut mâcher. Il faut mâcher. Oh le petit boss rush, la gratuité. Non, ils sont faciles maintenant pour nous. Comment nous occuper une fin de niveau, de dernier niveau, on sait pas quoi faire. Eh bah qu'est-ce qu'on fait? C'est donc on fait péter tous les boss à la suite. C'est vraiment le plan qui m'horripile le plus dans un jeu. Tiens. Et c'est vraiment un grand classique de l'arcade, ça. Manger tous les boss à la fin, c'est relou. Évidemment quand tu n'as plus de crédit et que tu sais plus jouer. Viens, viens là. Oh, j'ai une petite. Oh, j'ai une glissade avec coup de pied à la fin. Regarde. Glissade avec coup de pied à la fin. Ah ouais, bien ouais. C'est un peu une technologie. Un jeu, mais très con. Pof. Éjecté. Ah, mais c'est qui lui? Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. C'est bon, lui, je veux. Moi, Ouda, 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 Ouda. Ça serait Dio de Jojo's Bizarre Adventure qui a mal vécu. Oh là là. C'est Dio. C'est complètement bien. On a le Super Saiyajin, allez hop. Ah mais moi j'étais en train de bourrer le stick alors que c'était toi qui était en train de choper. Moi j'ai pas encore trop confondu mon personnage là pendant cette partie. Pour le coup c'est moi, c'est couleur piste, toi c'est couleur after. Hein. Voilà. Elle manque chocolaté. Voilà, il est mort. Who's next? Who's next? Allez. Ah! Ah, le loup-garou. Notre super sauveur. Le loup-garou de Paris. Tout à fait. J'aimerais bien se curer les dents avec un coude.
Oh, ouais, j'ai la technique, c'est bon. C'est bien, allez, continue. Je te laisse carry. Comment ça? Hop, même plus faire confiance au coéquipier. Mais il va où là? Ah, d'accord. C'était du script. Ah, le docteur. Ah, Pépone. Normalement, Pépone, on devrait le latter en moins de 2. Je crois qu'il est complètement ridiculos comme boss en fait. Docteur Maboule. Le docteur Pépone. Moi, les petits vieux, je les appelle toujours Pépone. Je trouve que ça sonne bien. Oh, c'est quoi ça? J'ai fait ça, il était pas juste. Voilà, je t'avais dit que Pépone, ça allait se passer. C'est cognito. Attends, je te laisse vivre. Non, je rigole. Tiens. Mais c'est trop mignon, il te tape dessus, genre vous êtes grand méchant. Ah vas-y. Allez, grand méchant. Ah voilà, et là maintenant il se transforme en grand méchant. En grand bouquetin. Blanqué à Jésus le retour. Ah c'est vrai que Blanqué à Jésus, il est venu. C'est vrai. Ah lui on peut pas le gagner. Blanqué à Jésus. Ah si ça va. Faites quoi tourner. Oh, c'était quoi ça? Ok. Car arrière de chaud dans... Ah dans... d'accord, c'est une mutation d'Alter Beast, version dataïste avec un démon corné. Oh mais tu fous la paix mon pote toi. Mais tu te rends compte quand même, le mec il fait des attaques, on prendrait chaud dans... On prendrait 15. Tiens, tu sais faire des trucs comme ça, bah nous aussi. Ah oui, non, pardon. Ah oui, non, puis lui il le fait plus haut. Hein. Ah ouais, j'étais non, par mais terre. On a même pas le temps de s'organiser sur une stratégie qui nous bourre lui. Franchement, il est pas fair play. Hein. Faut faire roulade pied, je t'ai dit. Roulade pied, ça carry. Mais ça carry, roulade pied, hein. Bah écoute, ouais, ça a l'air, en plus, c'est ça. Ouais, non, ça a l'air. C'est une stratégie comme une autre. Pourquoi voilà. D'accord. Roulade pied. Ouais, qu'est-ce qu'il devient là? Oula, il devient... C'est quoi ces enfants là? Y a pas moyen de les choper eux? Putain, moi je veux vraiment tout choper dans le jeu, c'est une horreur. L'enfant du chétan. Professeur, après le virus de Radio TV, pour que je un peu badass. Non, mais ça, c'est un peu de merde. Ah, oui, évidemment, quand t'as fait l'esquive, t'as compris. Je un petit peu pas fait exprès, ah, faut que je l'avoue. Crédit à utiliser. Vas-y, beaucoup de. Hop. On me gère Botron, tu vois. Et bien. On se bat, moi je le casse, un peu aussi. Vas-y, descend. Descends, oui, je fais la page. Oh putain, mais non. Si on remonte au plafond comme ça, on va jamais y arriver. Ça va durer une éternité. Donc quand il redescend, on peut le choper. Maintenant. Je suis grand méchant. Courage. Non, putain. Faut qu'on arrive à choper. Non, tu toucheras pas. Allez, en deux coups, il est fini. Eh bah très bien, un bon vieux kick dans sa gueule. Comment ça papy, t'es encore en vie? Non. Viens ici Pépone, reviens. Non mais reste là où t'es. Mais bouge pas, je vais jeter un truc. Un jour je remplirai cet empire à nouveau. Ouais, sur décoller, casse-toi, dégage. Bon bah voilà. On fait tout péter. Il reste 3 crédits. On a commencé avec 23. On a foutu 10 balles. T'es sûr qu'on en a parmi? Bah on était à 19, ah putain si j'en ai mis 25. Si moi il y a des chances que j'en ai remis parce que je pourrais select et start et ça devait recréditer. Non franchement je pense qu'on en a passé quand même. Ah ouais. On en a passé du crad. Cradbuster born né pour se battre. Mais pas toujours pour la justice. Bon c'est un bon jeu de l'apéro en fin de compte, hein. On réfléchit pas, on bande bouton. C'est rigolo, c'est ce qu'on lui demande en fin de compte. Cradbuster Stear. Oui. Akira Oten. Je te souhaite bien du courage pour pas arriver à tout lire dans les temps. C'est 16. Ah, c'est 16. Il va balancer un petit Dragon Ball. Mazamuri Tikoro. Gaming Live a retweeté. Petite notif. Une petite notif. Alors, on va cliquer le jeu comme des raclures. Sans mettre le son. Organisation malgache, hein, si vous m'avez jamais vu, vous m'avez verrez. On est déjà bien à bout compressé, donc on va peut-être pas. Zi Endo. Il y en a un, on dirait qu'il a été très sacré. Ouais, on dirait qu'il est resté. Ça fait assez gay quand même. Et allez, cassons-nous de là. Bien. Bah voilà. Et donc on se retrouve dans 5 petites minutes en direct sur Gaming Live. Et nous on va se torcher en attendant. Il fait la... Ah ouais. Ah oui c'est vrai, oui. Ouais. Je me disais pourquoi il va aller aux chiottes. Bref, à dans 5 minutes. You know what I mean.